Ok. Ces femmes, je vais juste vous donner un peu. Vous allez écouter dans ce que je dis les signes des personnes qui vont toujours vouloir vous rabaisser. Parce qu'en réalité, les gens peuvent connaître votre potentiel, mais ne veulent pas que vous rentriez dans votre potentiel. Donc ces personnes peuvent connaître ce que vous portez. Ces personnes savent que si elles se décident à faire une conférence, whatever, you know, elle va avoir tellement de personnes. Si elle se décide à écrire un livre, ce sera un best-seller. Si elle se décide et elle veut même avoir l'homme le plus beau de cette ville, le plus riche, elle va l'avoir. Mais c'est comme s'il tire un profit, une satisfaction de ton manque de connaissance de qui tu es. Comme j'allume cette bougie, je demande sur vous la lumière. Je vous couronne de gloire. Je vous couronne de gloire. Qu'on ne vous rabaisse plus jamais. Qu'on ne se moque plus jamais de vous. Qu'aucune âme qui a été forgée pour vous faire du mal n'ait du succès. Que personne ne vous maltraite. Que personne ne tire avantage de votre ignorance. J'arrive, hein, ne partez pas. Il y a parfois des personnes qui vous côtoient, qui tirent leur avantage de votre ignorance. Elle ne sait pas qu'elle est belle. D'accord. Je suis le gars le plus laid de la ville. Je vais sortir avec elle. Merci la tortue. Elle ne sait pas qui elle est. Je vais la prendre comme Machinda. Te voilà derrière elle chaque jour. Elle dit, je veux ça, tu cours. Je veux ça, tu cours. Pas comme ça, tu pars. Mireille, merci. Parce que ces personnes, un temps soit peu, s'ils se rendent compte. Mon numéro est le suivant, mais pour entrer en contact avec moi, c'est délicat. Je sais que j'ai souvent rencontré des personnes qui se disent, c'est impossible de te parler. Je ne mets pas en priorité la consultation. J'ai formé une équipe qui est censée s'occuper de vous. Donc quand vous tombez sur ma page, imaginez, j'ai 100 personnes qui veulent me parler par jour. Je ne peux pas m'en sortir. J'ai besoin de dormir pour que ma beauté ressorte. J'ai besoin d'écouter ce que les ancêtres disent. J'ai besoin de travailler sur des projets privés pour que vous puissiez en profiter plus tard. Et les lectures de cartes, si vous en avez payé, je les fais une fois toutes les 2 semaines. Donc je me suis arrangée pour ne pas avoir de service urgent. Donc si vous tombez sur ma page, ce que je dis vous intéresse, regardez, prenez une des formations. Prenez, et ceux qui ont pris mes formations, j'ai eu énormément d'imprévus. Ceux qui ont commandé les colis, c'est bloqué à Paris depuis 2 mois. Donc par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, ça va être résolu. Par contre, ceux qui ont payé depuis 2, 3, 4 jours, ou bien 1 semaine et demie, 2 semaines, on est en train de poster sa part. DHL a été repris. Monsieur Joe, JAU, je vous en prie, sortez de mon direct. Je crois que Google peut répondre à ça. Vous avez suivi, je ne suis pas Google.
Je ne suis pas Google. Je vous remercie. Si vous venez d'arriver, vous n'êtes pas dans un commissariat pour se plaindre. Vous n'êtes pas chez Google. Je ne suis pas reine lumière Google. Ok? Donc, il n'y a que ceux qui sentent mon swag qui vont m'aimer. Si vous regardez 5 minutes, ce que je fais ne vous intéresse pas. Vous pouvez gentiment partir. Je vous en prie. Et je ne suis pas Google. Donc, sur ce, je continue mon histoire et je continue à vous dire ce que j'avais commencé à dire. Vous allez vous rendre compte que il y a des gens qui aiment que vous ne sachiez pas qui vous êtes. Ça fait 5 ans, elle a son magasin au même endroit. Elle conduit sa même voiture. Tu as commencé à travailler sur toi. Tu as commencé à t'élever. Tu as commencé à payer ta dîme, faire les offrandes, faire ceci, les lavages, les ceci. Ton énergie est en train de monter. Tu as traversé tes nuits noires de l'âme, chérie. Tu t'es tapé les bas 8 semaines de dépression. 8 semaines, tu ne voyais pas l'argent quelque part. Ça n'entrait pas. L'argent ne venait pas. Je vous ai dit d'acheter les vitamines. Il y a les vitamines dans mes magasins. Achetez, ça va vous aider. Elle se rend compte qu'il y a de cela 3 ans. En fait, en 2023, tu portais son sac. Hein? Trading qui s'appelle Martine, je vais te bloquer. C'est vous les mendiants. Vous venez mendier en ligne. Les gens vous disent n'importe quoi sur vous. Cette personne, en 2023, tu tenais son sac. C'est-à-dire, chez les Camerounais, quand on dit que tu tiens le sac de quelqu'un, ça veut dire que tu ne lui arrives pas à la cheville. Et cette personne en profitait. Quand on parlait de toi, il dit, ah, elle là, Reine Foster, elle ne peut jamais rien faire. Mais non, c'est ma petite, elle ne peut pas, c'est ma petite soeur. Te voilà en 2024. Tu as traversé tes nuits noires de l'âme. Tu as traversé ce qu'il fallait traverser. Tu as semé. Tu as fait des offrandes dans les orphelinats. Pour la première fois, quelqu'un porte 20 000, il te donne pour rien. Alors qu'on ne te donne jamais l'argent pour rien. Pour la première fois, quelqu'un te dit, je veux faire tes papiers pour que tu partes au Canada. Hein. Je prends tout en charge. Ne te dérange pas. Tu commences à voir les faveurs que tu n'avais jamais vues depuis que tu es né. Vous écrivez vos noms, je vous bloque. Tu commences à voir les faveurs que tu n'as jamais eues de toute ta vie. Jenna, bonjour. La personne voit. Quelqu'un t'appelle, il te dit, je vais financer ton passeport. Voilà 120 000. Va faire ton passeport. Avant, tu n'avais que le récépissé de ta carte d'identité. Aujourd'hui, on te dit, je fais ton passeport. Dieu est en train de te montrer que tes prières marchent. Dieu est en train de te montrer que ce que tu as demandé là, c'est en route. Écrivez ici, ça arrive. Écrivez, c'est en route. Bonsoir Laura Franchin. Il dit que c'est en route. Aosso.
Ça arrive. C'est en route. Il dit que c'est en route. C'est en route. J'ai dit que quoi? Dieu te montre comment c'est en route pour que ta foi grandisse. Encore un témoignage du kit désenvoûtement. Mon fils aîné avait déserté la maison. J'ai commencé mon kit. Après 9 jours de jeûne, il vient de m'écrire qu'il veut revenir à la maison. Waouh. Wow. C'est parce que toi-même tu es concentré. Parfois tu commences. Pour la première fois dans ta vie, on te dit que tu peux t'asseoir. Tu demandes quelque chose. Tu prends ton sel. Tu te laves avec. Tu prends peut-être un kit. Toi, c'est le kit des envoûtements. Tu fais. Ça t'ouvre les portes. Chose qu'avant, tu croyais que c'était le fruit du hasard. Tu croyais que c'était le fruit du hasard. On peut faire la réunion tout à l'heure. Je suis en direct. Si tu es abonné sur ma page, tu peux voir. Viens avec ce que tu as déjà fait là. Viens avec ça. Vous devez comprendre que vous revenez de loin. C'est pour ça que quand quelqu'un tombe sur ma page, s'il est pressé, je le supplie que pardon, passe ton chemin. Léonie de Kinshasa, bonjour. Les gens du Burkina, le 9, je suis au Burkina. Vous allez venir me rencontrer gratuitement. Le 9, au Burkina. Que je vous en supplie, mes soeurs et frères, ne négligez pas les kits de la Reine Lumière. Bénédiction divine. Mamie, quand Dieu t'appelle comme il m'a appelé là, je connais ce que Dieu m'a appelé à faire. C'est pour ça que je ne me presse pas. Je ne peux pas me précipiter. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Restez ici là, Facebook. Enfant de quelqu'un. Que ton enfant te laisse, il sort, il part. Ce n'est pas une attaque spirituelle. Merci, chocolat. Vous devez connaître ce que vous portez. Je le répète, vous devez connaître ce que vous portez. Vous devez connaître ce que vous portez. Je brûle mes encens. Quand j'arrive, j'aime trop brûler ça. Je viens à peine d'atterrir sur Abidjan. Commence par le kit fondation. Après, tu prends le kit des envoûtements. Je sais quand vous venez, vous me dites que dans un, comment tu peux savoir ce que ça va. Non, je connais. Essaye de faire confiance. Prends le kit fondation. Bonjour, Laura, comment tu vas, ma reine Laura? Dieu est au contrôle. Je vous connais. Continue. Pardon, mamie. Va, Dieu contrôle. Moi, je vous connais bien. Tu t'assois, ta vie se gâte, tu dis que Dieu contrôle. Ok, Dieu contrôle les dégâts de ta vie. Laura, comment va ton fils? Je continue.
On doit faire un lavage sur lui. On me remet ça dans l'esprit. On doit faire un lavage sur ton fils. Ok, avant les fêtes. Ok. Ma reine, pour mari de nuit, je fais le kit ou je commence par autre chose. Il y a le kit mari de nuit. On poste aux États-Unis la tortue. On poste aux États-Unis. Il y a les démons aux États-Unis. Il y a aussi les anges positifs aux États-Unis. Bon, je continue. Vous écrivez, les numéros sont sur les pages. Vous écrivez, vous devez lui dire que vous voulez un kit. Elles vont vous conseiller. Ok. Quand la personne va voir que en 2023, tu n'avais pas de voiture, tu avais divorcé 5 fois, tu n'avais pas de passeport. Et 1 an et demi plus tard, 18 mois plus tard, Sandrine, on ne me rencontre pas. Tu as compris, chérie? J'ai organisé une rencontre à Abidjan ici le 26. Au Burkina, ce sera le 9. Une rencontre gratuite. C'est la seule opportunité de me rencontrer. À part ça, quand la personne voit que tes choses sont en train de changer positivement, vous savez qu'il y a les gens qui vous ont déjà classé, que vous n'allez jamais avancer, non? N'est-ce pas? Comme tu es arrivé aux États-Unis, là, tu as fait même 10 ans sans papier. Répète avec moi, j'avancerai. 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 Vous pouvez parler à mes assistantes. Ne cherchez pas à me parler. Parlez avec mes assistantes. Si ça vous dérange, je ne peux pas vous aider. Quand elles vont parler avec vous, elles sauront si c'est un travail qui est VIP, que vous devez traiter directement avec moi. Mais si vous pouvez passer par là, si vous avez une assistante, faites votre assistante appeler mon assistante. Ok? C'est quoi le kit de déblocage pour femmes de nuit? Le kit là s'appelle kit mari de nuit. J'ai dit que vous allez avancer. Comprenez maintenant que cette femme, c'est comme ta cousine peut-être. Elle a toujours été habituée que quand vous marchez ensemble, c'est elle qu'on voit. C'est elle qu'on voit. Je me rappelle quand j'avais accouché, un jour on allait en boîte, j'avais une amie, elle était petite de taille comme ça. Vraiment la petite taille des femmes là, tu vois, hein? Size petite. Size petite. On arrive en boîte. Je n'étais pas consciente que j'étais grosse. On marche ensemble. Après, on décrit, on dit que ta copine, là, oui, la grosse. Et je me rends compte que le gars m'indiquait. Le gars était en train de me dire. C'était de moi qu'il parlait. Bonjour, Ruben. C'était de moi qu'il parlait. Et cette fille aimait beaucoup marcher avec moi. J'avais peu confiance en moi. Elle me dépassait peut-être de 9 ans ou 10 ans. Imagine, tu as une amie avec laquelle tu marches, elle a 22 ans, toi tu as 32 ans. Elle n'a pas confiance en elle, elle vient d'accoucher, et tu marches avec elle, tu as confiance en toi, tu vas faire des shoppings de 5 000 $, 5 000 pounds, pardon. J'étais sa chinda, j'arrêtais son sac. J'arrêtais son sac. Souvent on arrive comme ça, elle arrive à H&M, elle fait les achats de 1 200 pounds. Elle sort pas à Zara, elle achète même pour 1 000 pounds. Elle achète. Comme elle achète pour 1 000 pounds comme ça, elle va me dire de prendre quelque chose de 50 pounds. Hey! Maman! Hey! C'était comme si c'était. Hey. Donc, je l'aimais même plus que mon gars. Parce que mon gars ne m'achetait pas les choses. Elle était mince. Elle avait plus de côtes dans mon cœur que mon gars. Quelqu'un qui m'achète. Tu m'achètes
L'habit de 50 dollars ou c'est 50 pounds? Non. Son ropero, hein. Ok, c'est ça que vous dites. D'accord. Chez nous, on dit Chinda. Donc, c'est son ropero. Merci beaucoup, Asita. Donc, cette personne, j'étais sa part de ropero. Le temps a passé. À un moment, on ne se parlait. Ça n'allait plus parce que quand j'ai commencé à aller à l'église, elle n'aimait pas l'église. Après ça, j'ai commencé au développement personnel. Donc, on n'avait vraiment plus rien à se dire. Et je me rappelle, j'étais tout le temps en train de l'apprécier. Waouh, tes cheveux sont bien. Waouh, tu es belle. Waouh. Waouh. Et parfois, je me rappelle quand on marchait, je passais au moins 30 minutes à écouter comment elle parlait de ses problèmes. Oh, franchement, il m'a invité en week-end à Manchester. Tu imagines, j'arrive là-bas et puis j'écoutais. Tu vois, quand tu écoutes, tu fais. Moi, je faisais mon boulot de repéro. Quand le temps est passé, merci. Lave-toi au sel si tu viens d'arriver sur ma page. On jeûne demain. Autre chose que tu vas faire, tu vas chercher à contacter mes assistantes. Tu peux acheter un kit fondation pour commencer. Tout problème a la solution. Attendez, je vais aller ouvrir une de mes assistantes qui est en bas. Je vais ouvrir. God is bigger than that. Who can battle with the Lord? Nobody. Donc, avec du temps, plus j'ai commencé à lire les livres de développement personnel, j'ai appris à prier, j'ai appris à visualiser, j'ai appris à demander. Merci pour le compliment. Un moment. Oui. J'ai dit que non. Je ne ressentais plus l'envie d'être son repère. Merci. Ah va, non. Là, je vais regarder quelque chose. Tu peux y aller. Maman. Il y a les poubelles ici, c'est où? C'est ça. J'ai besoin de poubelle ici. Ça va, c'est quand même lisible. C'est qui en haut là, il a fait ça quand même. D'accord, merci. Ouais. Bien fait. Pesca.
Oui, ma reine, je les ai contactés et j'ai déjà commencé le bain de sel. J'ai un vraiment très gros souci. Tout le monde a les soucis, chérie. T'as compris? C'est que quand tu arrives avec tous tes soucis, dès que tu dis que lave ton sel, elle dit ah. Allô, Linda? Linda, c'est le bon numéro, mais je suis en direct, tu ne m'as pas dit que tu as appelé. Je t'écoute alors. Oui. Wow. Elle a kidnappé ton frère. Je comprends. Oui. 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 Aïe, 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 aïe. La dot, non. Oui. Non. Tout ceci se passe depuis sur ton frère, tu dors, je ne vous comprends pas. Pourquoi vous laissez autant? Ok, dites-moi alors, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? J'ai interrompu mon direct pour toi et tu sais qu'il n'y a que toi qui peux faire ça. Oui.
Oui. Il est manipulé depuis longtemps. Tout ce que tu vas lui dire, il ne va pas comprendre. C'est clair, non? Si vous avez des questions, écrivez vos questions, je vais lire, pardon. Voilà pourquoi elle n'aime pas dire les urgences. Pour le groupe de prière, prends le numéro 237 693 50 22 66. Le contact, c'est 237 693 50 22 66. Poutine, je suis au Burkina le 9. On a un événement le 9 au Burkina, le 9 novembre. Nina, il faut que j'y aille. Je peux être. S'il vous plaît, je peux être disponible dans 1 heure. Je vous en prie, s'il vous plaît. Vous faites une réunion de famille. Quand je donne mes conseils aux gens, ils ne m'écoutent pas. Quand c'est tard, on m'appelle. Ça ne va pas. Ça, c'est une amie que j'estime énormément. C'est quand c'est chaud qu'elle m'appelle. Pourquoi vous faites ça? C'est quand vous avez un conseil de famille, vous m'appelez. Est-ce que c'est bon? Je l'ai fait voyager pour la France, mais elle n'est jamais satisfaite de moi. Esther, on ne pleure pas ici, pardon.
T'as compris? Pour éviter d'être dans les urgences, dans le spirituel, travaillez sur vous constamment. Tu passes un mois, tu ne fais rien, tu te laves pour ça, tu ne fais rien. 6 mois, tu ne fais rien. Tu es en train d'accumuler des choses qui vont venir sur toi après. Et quand ça va venir, ne dis pas qu'on ne t'avait pas dit. Parfois, quand vous dites je travaille sur vous, vous pensez que j'ai seulement besoin de votre argent. Maria, merci. Je suis vraiment désolée pour elle. Là, elle m'appelle pour une urgence, mais bon. Le père de ton fils te nague, il te méprise. Et puis quoi, ma chérie? Tu vis chez lui? Tu vis à ses dépens? Je ne vous envoie pas le contact de mes agents. C'est sur ma page, s'il vous plaît. Mais pourquoi c'est difficile d'aller sur ma page prendre mon numéro? Quand tu vois un service, tu es intéressé, tu cliques dans la page. Tu regardes, il y a le numéro. C'est comme ça que vous avez, je veux te parler, je veux te parler. C'est comme le sport. C'est comme le sport. Tu ne fais jamais le sport. Tu attends à quelques semaines de quelque chose. Tu commences à courir. Quand on me tutoie déjà là, ça ne m'intéresse plus. Tu me tutoies quand on se connaît. Même celle qui a dit que son enfant a été parti de la maison. Si tu arrives au point où ton enfant part de la maison, il ne te contacte plus, c'est que toi-même tu as dormi. Toi-même tu as dormi. Et tu dois être conscient du fait que tu as dormi. Tes soeurs se liguent contre toi dans le faux depuis toujours. Laisse tes bêtises, laisse ta mentalité de victime là, chérie. Laisse ta mentalité de victime. Tes soeurs mangent chez toi. Tu manges chez tes soeurs. Tu dors sur le canapé de quelqu'un. Si tu dors chez quelqu'un, il faut sortir de sa maison. C'est pour ça que je ne passe jamais le temps à écouter vos problèmes. Parce que je vous connais. Vous avez les mêmes problèmes. Parce que quand on parle, vous ne voulez pas écouter. D'accord, va continuer à faire tes choses. C'est pour ça que je t'ai dit de ne pas l'attendre. Parce que continue à faire ce que tu as à faire, mais on reste fixé pour demain, pardon. Tu as donné rendez-vous à Davodka, tu n'es pas parti. Bon, pardon, laisse comme ça, là. Digère seulement. Demain matin, une fois qu'on a fini avec cette partie, si tu n'as plus à dealer avec la personne. Vous devez comprendre que quand vous travaillez sur vous, ça paraît fatigant. Chaque jour, matin, soir, je fais le sacrifice de corps. Je prends le kit fondation, je fais. Je prends le kit ceci, je fais. Je fais les jeûnes, je fais les prières. Je donne aux orphelins, je fais, je fais. À un moment, tu l'as, je te dis, pourquoi il fait même tout ça? Pourquoi? 100% des gens que vous voyez qui marchent dans la société comme ça, là, ils ne sont pas dans leur mission de vie, dans leur potentiel.
Ceux qui m'écoutent depuis le début, j'ai raconté l'histoire de quelqu'un que j'étais son robot, c'est Robert Barabero, si c'est quoi là-haut. C'était le chinda d'une dame là. En 10 ans, on s'est reconnecté deux fois. Oui, et les deux fois, on n'avait vraiment pas à se dire. Les deux fois, on n'avait pas l'envie de ce don. Parce que je n'étais plus là à complimenter comme une idiote. Je n'étais plus là à attendre qu'on me marche dessus. Parce que vous aurez affaire à ce genre de personnes et ce genre de situations. Donc, je reviens donc au groupe de femmes que j'ai croisées à l'aéroport. Elles me voient venir. Je crois que j'avais mis des talons. Je rappelle que j'ai fait 3 ans. Non, j'ai fait, depuis 2020, j'ai fait 4 ans sans porter des talons. 4. Donc c'est la première fois qu'elle me voyait en talons. Ah bonjour, Madame Reine, bonjour. Je dis bonjour. Une dit, je vous suis. Les autres ne disent rien. Je dis, ok, super, merci. Voilà alors une qui dit, oh, ça fait différent de vous voir habillé comme ça. Moi, j'aime bien vous voir habillé comme avec des habits africains. Je rappelle que celle qui me dit ça ne s'habille pas en africain. Et je rappelle que j'adore m'habiller comme une africaine. À l'instant où elle parle, le Saint-Esprit me dit, ça c'est parce qu'elle, c'est par faute de te critiquer qu'elle entend le dire ce qu'elle dit. Je voulais acheter une valise particulière, donc on passe, c'était la vendeuse. Je touche une valise. Elle me dit, oh non, ça c'est trop cher. Je la regarde. Ça c'est trop cher pour voir ce qui parle. Je l'ai regardé comme ça là. Ça confirme ce que l'esprit vient de me dire, ça fait même pas 2 minutes. Ce genre de personne n'a jamais acheté un de mes produits, et je sais. Ce genre de personne ne va jamais me contacter pour un service, et je sais. Ce genre de personne, quand elle va voir que tu viens, tu bousilles son salaire en 10 minutes. Pour te faire te sentir mal, il faut que la personne essaye de. Non, on n'est pas de la même classe, chérie. Sinon, tu ne serais pas en train de me vendre des articles. Il y a des gens que vous êtes N plus 3. Vous êtes au niveau 3, au-dessus d'eux. Quand ils vous voient, c'est comme si vous dormez avec le même homme. Quand ils vous voient, leur corps pèse. Vous dites, madame, donne-moi mes honneurs, je suis ta patronne. Quand une fille qui est belle connaît qu'elle est belle et elle commence à mettre sa beauté en valeur. Quand une fille qui est riche connaît qu'elle est riche et elle commence à manger son argent. Aïe! C'est là que tu vas voir tes vrais jaloux. Oui. On va commencer à vouloir te dire comment tu as dépensé ton argent. Tu sais, je sais que tu. Mais il faut quand même penser à faire telle chose. Même si je vois quelqu'un qui avait 100 millions, il n'a pas construit. Si à l'époque là, tes 100 millions t'ont plu pour aller faire le shopping, ça t'a plu. C'était ton argent. Est-ce que c'était ma part? C'était ton argent. Est-ce que c'était pour moi? Et il y a parfois des substituts de Chinda.
Donc des substituts, des personnes qui vont venir à côté de toi faire comme s'ils t'applaudissaient trop. L'autre jour, l'autre vient me faire un compliment. Hein. Oh! Voilà comment le compliment fait. La personne voit ma photo. Au lieu de dire, waouh, t'es jolie, point. Je dis merci, point. Et puis on dit, ok, point. Et puis il fait un sticker. Il faut faire un sticker. Non. La personne vient m'écrire. Waouh. En tant que ton fils, je comprends maintenant. Je suis beau jusqu'à. Et je vois pourquoi les filles ne veulent pas me laisser tranquille. J'ai lu le commentaire. Vous savez pas ce que je vois souvent. Je passe mes journées avec les choses. À défaut, hein, ne me complimente pas. Ne me complimente pas. Ne dis rien. Il y a des gens qui me bloquent de mes statuts. Bonjour, bonjour. Tu as ton argent. Toujours amener les choses vers eux, c'est ça. C'est ça. Que ce genre de personnes ne connaissent jamais tes moments de faiblesse. Je dis que ce genre de personnes ne connaissent jamais tes moments de faiblesse. Ton petit ami te quitte et puis tu viens pleurer sur Facebook. Mouf, tu fais quoi avec le plantain? Mon petit ami, tu devrais chercher à avoir l'argent, non? Tu devrais lancer un commerce, non? Depuis l'assassinat, qui pleure même là? Qui a fait l'émoji de pleurs? Depuis l'assassinat de ta mère, ton petit ami, que j'aime tellement, va te tuer, mouf! Ressaisis-toi vite! Jusqu'à ce qu'elle vient écrire même sur mon direct. Tu aimes l'homme plus que qui? Tu es tombé comment sur ma page même d'abord? Mon petit ami que j'aime. Tu ne vois pas ta situation. Ta mère est morte. Tu dois être en train de bosser. Que j'ai lancé mon petit cafétéria. Bientôt, je vais payer le loyer dans une grande maison pour avoir le restaurant. Je fais les livraisons de plats emportés. Non, tu es derrière le gars. Tu es derrière le gars. Jusqu'à ce que tu lui t'amuses pas un point, pas moi. Mouf. Tout pour vous, c'est faire l'amour. Tu es là, tu es pauvre, tu penses à l'homme. Quitte ma page. Nathaniel. Elle aime l'homme, non? Elle aime l'homme. Mm-hmm. Elle aime l'homme. Selon la lecture de carte de jeu, où vous avez dit que le gars me bloque. Après le kit des envoûtements, je dis au mec que c'est bon entre nous. Il me dit niette. Malheureusement, je ne ressens plus rien pour lui. Quand tu quittes l'homme, tu t'es assuré que tu as déjà tout enlevé à côté de lui. Tu t'assures que comme tu as dit comme ça, là, c'est comme si tu lançais la viande dans l'huile, tu fuis. Tu lances, tu fuis. Ma devise, c'est non aux émotions, peu importe la situation. Tu n'es pas content, je te classe sans suite. Exactement, Nyama. J'ai donné Goumen de quoi? On a même Goumen, peut-être on te renvoie du boulot, tu as Goumen. Goumen sur garçon. Tu as Goumen sur un homme. Est-ce que vous êtes même conscient? Tu as Goumen sur l'homme. Je suis sûr que son gars-là même ne faisait rien dans sa vie. Il ne lui avait pas dit que repart à l'école.
Commence un petit business, ma chérie. Voilà même 200 000. Tout ce qu'il fait, il te fait l'amour. Tu ne peux pas la nourriture avec ton argent. Tu donnes, il mange. Après, il te fait l'amour, il part. Te voilà, mon gars, que j'aime tellement. Mon gars, que j'aime tellement. Ta mère est morte, c'est t'as laissé les petits frères. Ça veut dire que tu dois travailler pour leur montrer le bon exemple. Je sors d'une situation difficile. Je viens juste de perdre. Pour dire vrai, j'ai un sérieux problème de même percée. Tu n'as pas un sérieux de même, un problème de même percée. Tu as un problème de discipline. Tu as un problème de discipline. Tu ne connais pas te discipliner. Vous n'avez même pas de problème de même percée. Cherchez seulement à faire entrer plus d'argent. Si tes dépenses restent les mêmes et que tes rentrées augmentent, tes problèmes sont résolus. Il y en a ici, ça fait même 6 mois que tu n'as pas acheté un truc. Ça fait 6 mois que tu n'as rien acheté de nouveau. Tellement tu donnes aux gens, tu donnes, tu te casses, tu as, voilà la rentrée, tu as payé la rentrée de 10 personnes. Tu as payé la pension de 10 enfants. Tu cours pour faire telle chose à telle personne. Tu dois te fatiguer quand même un peu, non chérie? Il dit que je jaille. Quand cette dame-là a fait comme ça, l'esprit m'a juste dit que la prochaine fois, je ne les salue même pas. Il y a des gens que vous devez arrêter de saluer. Cache. Si les femmes pouvaient comprendre que les hommes sont des suceurs d'énergie, ressaisissez-vous les dames. Tombez amoureuse de vous. Tu es de RDC, RDC. Toutes les choses marchent mal chez moi. Tu dois te purifier comment? Lave-toi avec du sel. Vous voilà, non? Le club des filles, j'allais dire des laides de filles, mais bon, ça va. Les filles paumées. On donne les conseils, vous ne voulez pas savoir. Et je suis sûr que depuis qu'elle parle, celle que j'ai parlé, elle est partie, elle est sortie du direct. Elle croit qu'elle est entrée ici comme ça, elle veut m'arrêter sur son faux problème. Jusqu'à dire que fais comme ça, fais comme ça. Je suis folle. Tu as un problème avec toutes tes relations, tu te donnes à fond, ça n'aboutit jamais. Les voilà. C'est le direct des filles pour moi aujourd'hui. C'est quoi avec vous? Et vous aimez mettre Dieu devant. Là voilà. Agica de Dieu. L'autre prunelle de Dieu. Lumière de Dieu. Fille de Dieu. Tu mets Dieu devant, mais tu es dans les relations. Tu sais seulement te faire piner. Un Dieu dedans. Quand il y a Dieu dedans. Oh. Hey, les femmes, mon frère. Et ce sont les choristes. Elles chantent à l'église. Elles chantent à l'église. Je vous dis. Ces filles-là chantent à l'église. Où chantent à l'église? Moi j'écoute vos problèmes, ça fait comme l'eau sur le canal, non? Ça glisse, ça tombe. Vous partez là, vous aimez le plantain, vous aimez le pain, c'est tout ce que vous aimez là-bas. Pain croustillant, plantain. Ça donne la constipation. Hein? On donne la salade, vous ne voulez pas. On donne les légumes, vous ne voulez pas. Carottes, haricots verts, vous ne voulez pas. Vous voulez le plantain, le pain. J'ai jamais pensé à ça. Oh là là.
Tu veux savoir le sujet de la discussion. Quand on entre quelque part, on s'assoit. Tu t'assois, tu écoutes. Et si tu es mangeuse de plantain, assois-toi avec ta constipation. Je vais te donner, j'ai le thé amincissant. Une femme vient encore se plaindre de son pain ici, elle va me sentir. Mon pain, mon gars, je l'aime tellement. Pourquoi tu ne me parles pas de la maison que tu es en train de construire? Pourquoi tu ne me parles pas de la maison que tu es en train de construire? Ma fiancée. Ok, dear, thank you. I will check it. Thank you very much. Le pain rassis. Tu n'es pas celle que je connais qui est au UK. Erin Gamini, quand elle voit d'abord ta photo là, j'ai pas vraiment envie de dire, mais vraiment, quand on a ce genre de visage, ne viens pas dans mon direct parler. Tu as compris? Ce qui va te laver correctement. Ce qui va te laver correctement. Je me retiens aujourd'hui. Ne te pointe pas dans mon direct, comment et qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu payes ma pension là-bas? Tu payes mon loyer? Regarde ta photo toi-même. Les réseaux sociaux que les gens se cachent derrière le téléphone pour parler là. En tout cas, tu m'as connu, moi. Regarde ta photo, tu me dis. Arrêtez vos bêtises là. Vous n'avez parlé n'importe comment aux gens là. Je ne suis pas dedans. Merci Nancy. Merci. Ça fait partie des aigris. Il y a des gens très aigris. On est habitué à ce que tu sois d'une certaine façon. Quand on voit, tu commences pas à changer là. Seigneur, aide-moi que je ne parle pas, que je ne dise rien de... Tu as même plus ton courage pour écrire dans mon direct. Les gens vont prendre leur temps. Les gens vont prendre leur temps pour faire le détour. Soit c'est ton Facebook qu'ils ont vu. Soit c'est ton statut qu'ils ont vu, soit parce qu'ils veulent venir te lancer un mot et ils ont espoir que ce mot te freine dans ta course. Ils ont espoir que ça te freine dans ta course. Ce n'est que de la jalousie. Les hommes sont jaloux des femmes. Hein? Les hommes sont jaloux des femmes. Bien même. Tu vois un homme comme ça. Il sait que je peux t'aider. Parfois même, il peut mal parler à ton gars pour que ton gars te quitte. Tu es une belle femme. Quand tu as créé la page, tu as dévié, je veux comprendre. Tu es magnésie. Eric, je t'en prie. Je pense que si j'étais en Angleterre, ça fait 9 ans ou 10 ans. On n'a jamais eu de contact. On n'a jamais traité quelque chose ensemble. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va commencer. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc mieux vaut. Attends. Quand on zoome même la photo, c'est pareil. De près comme de loin, c'est la même chose. S'il te plaît, ma papa, s'il te plaît, désabonne-toi de ma page. Ils vont faire le détour pour s'assurer que ils déposent quelque chose dans l'espoir. Et je vous ai dit au début de ce direct, bonjour Germain, que certaines personnes se nourrissent du fait que vous ne sachiez pas qui vous êtes. Tu as ton argent, tu ne manges pas. Ça leur plaît.
Tu as l'argent, ils n'ont pas l'argent. Vous mangez la même chose. Voilà la manipulation que certains de vos amis vous font. Hein. Tu touches peut-être 5000 euros le mois. La personne est dans 1500 euros le mois. Voilà, Patrick a dit, les gens disent qu'ils ont des problèmes. Mais quand tu comprends les commentaires, tu comprends que c'est nous le problème. Oui. Dans la plainte de quelqu'un, tu vois son erreur. Oui, oui, oui. Cette personne qui touche 1500 euros, c'est pour ça que quand vous les épaulez, le jour où ils touchent seulement 4000 euros, vous ne respirez plus. Vous ne respirez plus. Pourquoi? Quand la personne t'observait, la personne attendait. La personne attendait. Soit tu tombes, tu arrives à son niveau, 1500 euros le mois. Soit lui, il monte. C'est les gens que quand l'argent touche leur main, vous ne respirez plus. On te manque de respect jusqu'à tu as le bout. Tu épaules l'homme là, tu l'épaules, tu l'aides. Dès qu'il monte déjà, j'ai parlé avec une dame, elle me disait que son ex-mari. Attends, j'étais où? Je travaille. Ah, c'était pendant la retraite. On a fait une retraite au Gabon. Et il y avait l'une des participantes qui. On a beaucoup parlé de nous, vraiment. Quand on venait à mes retraites spirituelles, c'est vraiment. On a retiré ce qui était dans notre cœur. Vraiment, c'était super. Ok. Elle dit que son mari, à une époque, il était cadre dans une banque. J'ai répondu à une invitation. Guessant Julien, je n'invite personne. Mes numéros sont sur la page. Si tu veux quelque chose, tu écris sur la page. Si tu n'écris pas et qu'on t'escroque, mes mains sont en l'air. Ce n'est pas moi. Je n'ai envoyé personne t'inviter. C'est comme ça que vous aimez. Aujourd'hui, vous aimez la facilité. Vous aimez qu'on vous arnaque. Tu vois la vidéo. Je donne mon numéro dans la vidéo. Tu ne prends pas. Tu ne m'écris pas. Tu attends que parmi mes 180 000 abonnés, je viens te choisir. Je t'invite. Continue. Va donner ton argent là-bas. Bon, je continue. Son mari était devenu cadre. Il était dans les 20 millions de francs CFA le mois. Comme tu as 100 000 le mois là, il y a les gens qui touchent 20 millions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20. 20 millions avec les avantages de service. Dès que son mari a eu le poste. Mais devinez, il a trompé la go. Il a commencé à avoir un deuxième foyer. Après, on l'affecte dans un autre pays. Il s'avance dans le pays. C'est là-bas qu'il établit bien son foyer. Après, il revient, il dit à sa femme que pourquoi tu n'acceptes pas l'autre? Jestor, je rencontre très peu les gens. Sauf quand je fais des rencontres physiques. Mon travail se fait à distance. Vous payez les produits, on vous les envoie à distance. Le monsieur l'a lâché avec 3 enfants. Il est parti. Il l'a lâché comme une serpillère. Il est parti. Il n'a pas fait 2 ans dans son travail. Il a perdu le travail. Il a perdu le travail. Il a contacté une fois, dit, oh, je sais que tu priais souvent pour moi. C'est quand tu pries, ça marche. Est-ce que tu peux... Elle dit, papa. Le papa. Si tu attends d'acheter mes produits quand je suis en promotion, je te prie de ne rien acheter chez moi, celle-ci. Tu as compris? Justine, mon bonjour, Justine Eto. Il y a des personnes. Merci beaucoup, Il y a des personnes que si
Dieu leur donne seulement la voiture, il va dormir dans sa voiture, il va faire pipi dans sa voiture, il va tout faire dans sa voiture. Monsieur Eric, s'il vous plaît. Généralement, je suis aussi patiente avec les gens. Généralement, je bloque un peu vite. Mes produits fonctionnent avec la foi de la personne. Je ne voudrais pas vous vendre mes produits. S'il vous plaît. Quand j'envoie mes produits, vous envoyez votre ennemi chercher parce qu'elle est en train de voyager. Vous croyez que quoi? Elle va arriver à la maison, elle va ouvrir. Ton travail spirituel ne va plus marcher. On envoie les produits en Europe par DHL. On envoie par DHL. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous laisser rabaisser. Marcher dans son essence, ça ne veut pas dire que je fais du mal à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que je vole quelque chose qui appartient à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que je prends la chose de quelqu'un ou le mari de quelqu'un ou bien là. Non. C'est juste que peut-être tu as quelqu'un que tu aides souvent. Il te dit, oh, si tu un jour tu veux voyager, appelle-moi, je peux te t'offrir des billets gratuits ou des réductions. Ok? Tu as peut-être une de tes amies ou de tes cousines qui travaille chez Air France et elle te dit, bon voilà, tu as tellement fait beaucoup de tu as fait tellement de choses pour moi. À tout moment, si tu veux voyager, voilà, je te donne mes points pour voyager. Et ça fait 5 ans que tu n'as pas voyagé. Tu marches avec une personne qui ne connaît même pas une personne qui travaille chez Air France, qui ne connaît même pas une personne en Europe. Tu as peut-être fait les visas de 2, 3, 4, 10 personnes qui sont arrivées en Europe. Vraiment, à tout moment, si tu veux venir ici, on te fait on t'envoie l'invitation, on paye ton... Tu viens, viens. Chaque fois que tu seras avec cette personne qui ne connaît personne en Europe et qui n'est rien, juste par simple fait que vous marchez ensemble. Dès que tu vas émettre l'idée que je peux même partir visiter un peu ma copine en France là, non. J'ai ma camarade de lycée là, oui. L'autre jour, elle m'a dit que je peux venir. Elle travaille maintenant chez Air France, SN Bruxelles, ou bien chez Turkish, non. Dès que tu lui dis comme ça, ah, tu sais, les gens comme ça là, tu n'es pas sûr, hein, tu peux arriver chez elle, elle te met même à la porte, hein. Comment tu dis non, non? Te voilà qui reste au pays 1 an, 2 ans, 3 ans. Chaque année, ta copine te dit que, mais attends, tu viens à tout moment, hein, viens. Elle te renouvelle l'invitation. Rentrer dans ton pouvoir, ça veut dire que tu te lèves. J'ai mis ça parce qu'elle ne veut pas. Il y a un peu trop de problèmes par ici. Yep. Bon. Rentrer dans son pouvoir, ça veut dire que tu te lèves, ok? Tu dis, tu ne parles pas à la copine là, celle qui est au pays avec toi. Tu prends rendez-vous à l'ambassade, tu fais ta procédure en ligne, tu pars, tu demandes le visa. Tu appelles celle de France, ok, j'ai déjà eu le visa. Elle t'envoie le billet d'avion. Tu entres dans l'avion, tu pars. À ce moment-là, tu es en train d'occuper la place qu'on t'a dit depuis que tu devais avoir. Mais tu tournais. Tu hésitais. Rentrer dans son pouvoir, ça veut dire que vous savez qu'il y a des femmes qui ont un très beau corps. Très beau. Quand tu la vois, ses jambes seulement.
Si tu pouvais passer devant sa maison chaque jour seulement pour voir ses jambes, tu le ferais. Vous savez de quoi on parle. Il y a des femmes que leur visage est tellement beau à voir que tu passerais tes jours sur ces vidéos seulement à regarder. Waouh! Waouh! Rentrer dans son pouvoir pour cette femme, ça veut dire que elle porte des habits qui mettent son corps en valeur. Il y en a parmi vous, vous avez de beaux doigts. Il y en a parmi vous, il y a une partie de ton corps que, on, franchement, quand on regarde, on te dit, waouh. Mais quand on apprécie, tu te caches, tu dis, non. Vous vous connaissez, non? Bonsoir, la princesse Landry. On te dit, waouh, t'es jolie, hein. Tu fais, parce que quand tu avais 22 ans, tu étais fiancée, ou bien tu as commencé à sortir avec un homme avec qui tu as eu l'enfant. Mais cet homme était tellement jaloux de toi. Tu étais très intelligente à l'école par rapport à lui. Et il passait son temps à te dire, quel homme va même t'aimer? Il faut cacher ton corps, hein. Ma femme doit être... Rentrer dans son pouvoir, ça veut dire que, bonjour Carmela, tu te débarrasses de ces paroles qu'on t'a dit depuis. Aujourd'hui, tu as 47 ans. Et tu caches parce que ta mère, dans ta jeunesse, ta mère t'avait dit, oh, tu t'habilles comme une prostituée, c'est quoi ça? Hein? C'est comme ça que depuis 25 ans, tu n'oses pas. Tu es même en Europe, tu as ton argent maintenant. Quand tu étais petit, tu demandais l'argent pour acheter les vêtements, on refusait. Et tu fais quoi avec beaucoup d'habits? Tu fais quoi? Du coup, tu as perdu le démon qui était dans Eric est sorti. Tu es aussi démoniaque que ta laideur. Tu as compris, Eric? Tu es aussi démon que tu es laid. Tu me suis? Un corps aussi laid ne peut être habité que par des entités démoniaques. Tu as compris? Tu as compris, non? Voilà. Dès que tu as mis ton premier message, je t'ai vu venir. Tu es laid. Tu as un mauvais cœur. Tu es noir. Tout ça sur ton corps. Ça ne te dit rien? Ça devrait être un péché d'être aussi laid que toi. On doit t'arrêter là-bas en Allemagne. Pour laideur. Tu dois te couvrir. Tu dois pas exposer ton visage aux gens. Et tu t'ennuies en plus. À ton âge. Pendant que les gens sont en train de construire les immeubles à leur pomme. Tu es sur les réseaux. Tu n'as rien à faire. Monsieur, je suis en train de bosser. Ça, c'est mon boulot. Sur ce... Pour conduire ton chemin. Tu es tellement laid que ça pue jusqu'ici. Quand on est laid, on est gentil, ça compense. Tu es laid, tu es vilain, tu es ingrat. Inquiet. Regarde-toi. Clique sur ta photo, tu regardes. Filme-toi, tu regardes. Même 50 soins de visage, ça ne peut rien faire sur toi. Jesus. Dès qu'elle a vu ta photo, ça m'a effrayé. Je me suis retenue. Je ne voulais pas parler. Je ne pense pas que j'ai connu quelqu'un d'aussi laid que toi. Je ne pense pas. Quand un homme est aussi laid, je ne lui dis même pas bonjour. Je ne laisse même pas qu'il vienne me dire bonjour. Je t'assure. Que ce soit maintenant, que ce soit dans le passé. Tu es trop laid. Tu es trop laid. Je suis désolée.
Tu es trop laid. Tu es laid, tu es aigri. Oh. C'est pas bon. On répond aux imbéciles par un coup de silence. Ça, c'est pour vous là-bas. Ce n'est pas pour moi. Peut-être mes paroles vont nettoyer sa laideur. Comme je parle, la santé le purifie. Il ne sait pas. Il en a besoin. Laissez que je le lave. Je suis en train de le laver. Il est en train d'avoir un lavage à distance. Tu es laid. Tu es laid. Parfois, on te regarde comme ça. On cherche comment. On cherche ce qu'on va dire. Que non, il a souri. Non, il a quand même. On cherche, on ne trouve pas. Ça ne te dit rien. Je ne me suis jamais retenu d'insulter quelqu'un comme ça. Hey! Tu es laid, tu es laid, tu es laid. Tu es laid, tu es laid, tu es laid. Tu es laid, tu es laid. Tu es laid, mais tu dis n'importe quoi. Tu es laid. Tu es laid. Tu es laid. Eric écrit encore. Tu es laid. Confesse-toi. Confesse ta laideur. Confesse. Yesh. Confesse. Confesse. Tes contacts. Tu connais qui? Tu es laid. 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 C'est un péché. Va voir un prêtre. Tu demandes au béni. Ce n'est pas autorisé d'être aussi laid. Ce n'est pas bien. À Capon. À Porte. En plus, les mêmes Bami. Les Bami, ils ne sont pas laids comme ça. Ils s'arrangent quand même. Quand même. Tu es laid. On fait l'effort. On veut même toujours encore laid.